Alors monsieur Bonnet, vous travaillez actuellement chez Delcourt, notamment avec le garde républicain. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement un petit peu l'univers à ceux qui ne connaîtraient pas encore? Alors, le Kéros, le garde républicain, est un projet entièrement personnel et qui n'est pas lié à mon rôle d'éditeur chez Delcourt. Là, dans la journée, je suis éditeur, effectivement, c'est mon vrai job chez Delcourt et je publie des séries telles que Star Wars, Hellboy, The Goon ou bien Walking Dead. Et effectivement, sur mon temps libre, j'ai développé ce projet personnel qui s'appelle Le Garde Républicain et qui est un super-héros, qui est une série de super-héros français, tout simplement, hein, parce que c'est bien beau d'avoir des super-héros américains, mais je me suis dit qu'il était peut-être temps de pouvoir développer un projet mettant en scène un super-héros français et qui évolue dans un contexte politique, culturel, social français. En l'occurrence, j'avais bâti le projet de manière à ce qu'il soit un petit peu original par rapport au traditionnel super-héros américain qui ancre un seul et même personnage toujours un peu à la même période. Bon, je dirais que ça fait 70 ans qu'on essaie de nous faire croire que Batman a 30 ans, ça fait 50 ans qu'on essaie de nous faire croire que Peter Parker est un jeune étudiant et qu'il est Spider-Man. Ça, c'est des choses avec lesquelles j'avais un petit peu de mal en fait en termes de cohérence et de narration. Donc le concept du garde est né autour des valeurs de la République, certes, et je me suis dit que peut-être le premier représentant, la première personne qui avait été le vecteur des valeurs de la République pouvait être Lafayette lui-même. Donc on part de la fin du XVIIIe siècle, et finalement je me suis dit que ça serait assez intéressant, drôle, et ça offrirait énormément de champs de création et beaucoup de liberté, de faire en sorte qu'il y ait un garde républicain différent à chaque génération. Donc en gros, tous les 25 ans, on peut dire, il peut y avoir un garde différent, et un homme ou une femme de valeur, quelle que soit ça... son origine ethnique, politique ou sociale, peut devenir effectivement le gardien ou la gardienne des valeurs de la République en devenant le garde républicain de son époque. Et ainsi, chaque génération peut me permettre de développer des récits différents du garde républicain, et pour chaque génération, pour chacun de ces gardes, avec des petites variations de design sur le costume, ça me permet de collaborer avec des auteurs différents. Par exemple, Christophe Hénin, qui est également présent ici sur la TGS et qui, lui, est en charge de collabore ensemble sur la version années 70 du garde républicain. Avec Danny Rhodes, on travaille sur une version plus contemporaine, et ainsi de suite. Voilà, ça va permettre de développer différentes versions du garde, et puis ça permet surtout de jamais s'ennuyer et de développer et d'enrichir les collaborations autour du projet. Pour se réaliser, il faut avoir beaucoup de chance et aimer beaucoup travailler, parce qu'aujourd'hui la bande dessinée est un milieu qui est compliqué. Il est compliqué de percer, il est compliqué de faire en sorte de disposer d'un projet, même quand on est très talentueux qui va rencontrer son public. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se faire critiquer dans son travail en le présentant à des professionnels, en allant se confronter à des éditeurs qui sont déjà installés, et puis proposer des projets. Il ne faut surtout pas rester dans son coin, il faut aller se confronter à d'autres, il faut tenter de développer des collaborations. Si on est bon dessinateur, peut-être développer une collaboration avec quelqu'un qui va être un bon scénariste, et inversement. Voilà, c'est ce genre de collaboration et de fusion qui peut permettre à des projets d'émerger aujourd'hui. Et puis y croire, et puis ne pas lâcher l'affaire, et puis même si on essuie plusieurs refus, croire dans son étoile, croire dans son projet, écouter les critiques qui peuvent être faites par des gens en place. Certaines critiques sont bonnes à prendre, peut-être pas toutes, mais voilà, il faut être dans l'écoute de manière à pouvoir tenter d'améliorer son projet ou la manière dont on le présente. Il y a toujours des trucs dans les cartons, oui, effectivement, des trucs dont on espère qu'elles deviennent des cartons, pour faire un mauvais jeu de mots. Mais là, en l'occurrence, sort au cours de ce mois d'avril, dans quelques jours, une série que je recommande tout particulièrement, qui s'appelle Outcast, et qui est la nouvelle série créée par Robert Kirkman, publiée chez Image, sous son label Skybound. Une magnifique série d'horreur, mais d'horreur un peu psychologique, qui fait penser à la fois au Sixième Sens et à l'Exorciste. Et puis dans un autre registre, devant arriver au mois de mai, le mois prochain, j'aurais tendance à recommander, pour en sélectionner seulement quelques-uns, mais un album qui s'intitule L'étrange vie de Nobody Owens, et qui est l'adaptation du roman éponyme de Neil Gaiman par P. Craig Russell. Et c'est un diptyque, le tome 1 paraît donc le mois prochain, le tome 2 tout début 2016, et on est en plein milieu de la poésie gothique que l'on connaît de Gaiman, avec Coraline par exemple, ou bien une série comme Sandman. Et j'ai tendance vraiment à recommander aussi très très chaudement cet album, L'étrange vie de Nobody Owens, en plus des Outcasts. Monsieur Hénin, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous.
Alors vous êtes un dessinateur multifacette avec beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez touché à pas mal des aspects techniques en fait du dessin. Et pourtant, à la base, vous êtes issu d'une formation scientifique. Qu'est-ce qui vous a fait basculer du côté du crayon ? Ben en fait, j'étais passionné de BD depuis tout petit. Et puis, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que c'était un travail vraiment difficile et qu'il y avait beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Donc je me suis dit, je vais faire des études scientifiques qui m'assureront peut-être un avenir plus serein. Et en fait, la passion m'a rattrapé et du coup, je me suis dit, non, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Donc je me suis dirigé après vers des études en art appliqué pour après me diriger vers la bande dessinée et l'illustration. C'est ça qui m'a attiré dans le projet, c'est que des super-héros français, on n'en avait pas. À part Super Dupont, mais c'est un petit peu particulier. Et moi j'étais fan de Captain America et voir le garde républicain, une espèce de Captain America à la française, pour moi c'était le rêve. Donc ça permettait d'avoir du super-héros français fait en France par des Français, qui se passe aussi en France. Ça, je trouvais ça intéressant aussi, que tout ne se passe pas à New York avec des buildings, mais d'utiliser Paris et puis la France dans différents contextes politiques, sociaux, culturels au cours des années, puisque toute la saga du garde républicain se passe sur 250 ans. Donc ça permet de redéfinir un peu l'histoire de France à notre manière en fait. Donc en parlant d'opportunités, donc vous avez travaillé sur la BD Mathilda, donc qui est une espèce de suite en BD du film Léon. Et vous avez travaillé pour en fait le site international des fans de Nathalie Portman. Est-ce que c'est pas beaucoup de pression de se dire tiens, on va travailler pour des fans ? Non, j'y ai pas pensé. Sur le coup, j'étais tellement content de pouvoir me frotter à ça que je l'ai fait sans pression. D'accord, donc pas de pression. Donc du coup, vous avez été libre de faire vraiment ce qui vous plaisait, quoi. Oui. Là, j'avais un scénariste, par contre, mais c'est vrai qu'on a travaillé sur le scénario ensemble et là, justement, on a eu une bonne synergie tous les deux. Et voilà, c'était sympathique de travailler là-dessus. J'étais fan de Nathalie Portman aussi, donc c'est vrai qu'au bout de 500 ou 600 croquis de son visage pour trouver la bonne adaptation en BD, je commençais à la connaître pas mal. Enfin, j'avais l'impression de la connaître, disons. Il y a la suite du garde républicain qui arrive fin avril. Le numéro suivant est en cours de bouclage. Et avec Thierry, on a abordé justement la suite avec peut-être un petit voyage dans le futur. Enfin ça, peut-être il vous en parlera plus que moi. Et au niveau personnel, donc j'ai auto-édité une BD humoristique. Et si ça fonctionne bien, la suite est en cours de réalisation aussi. Et sinon, je travaille beaucoup pour des magazines et des éditeurs de jeux de rôle pour lesquels je fais des illustrations. Donc bien occupé pour plusieurs mois encore, en attendant d'autres projets qui devraient se concrétiser aussi en fin d'année. Et nous sommes en ce moment avec Paul Renaud. Alors, Paul, bonjour. Bonjour. Alors ça fait maintenant quelques Comic Zone que vous faites ici, avec d'ailleurs une grande implication en fait au niveau des contacts avec les autres auteurs qui viennent. C'est vous qui gérez et qui coachez un petit peu tout ça. Et en fait on s'était dit on va faire un petit peu un bilan en fait de savoir ce que les autres auteurs ont pensé de la Comic Zone quand ils sont venus au TGS, quel sont le rapport qu'ils ont pu avoir avec les fans, est-ce que ça leur a plu tout simplement ? Oui, en général, que ce soit les précédentes éditions ou celle-ci, ça se passe toujours très très bien. Et le principal problème qu'on a maintenant aujourd'hui au TGS avec la Comic Zone, c'est de limiter en fait. Il y a beaucoup trop de gens qui demandent à venir et c'est très difficile de faire un choix. On a décidé de ne pas forcément renouveler à chaque fois tous les auteurs, alors qu'on aimerait bien sûr les recevoir à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué. C'est le plus dur, c'est d'arriver à alterner tout en conservant une fidélité vis-à-vis des gens qui ont vraiment aimé venir, qui ont rencontré leur public, et les gens les redemandent. Donc, c'est tout un délire, mais c'est vrai qu'après ça se passe très très bien avec le public du TGS, et que ce soit les auteurs anglo-saxons ou français, il y a vraiment un contact qui se crée, quoi. On a une petite question de l'internaute pour toi. C'est Choupi Fuji
qui nous dit « J'essaye d'adapter un de mes romans en BD. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner ?» Dans la partie adaptation, déjà, je pense qu'il faut qu'il se focalise sur le fait que la BD est quelque chose est un médium visuel. L'erreur que commettent beaucoup de gens qui viennent soit de la télévision, soit du roman, c'est de surécrire des scènes d'exposition, par exemple. Alors que la seule chose qu'il doit avoir à l'esprit, c'est montrer le plus possible et dire le moins possible. À partir de là, je pense qu'il faut qu'il contacte des dessinateurs qui correspondent au style qu'il recherche. Je pense que Facebook ou DeviantArt sont des endroits intéressants pour trouver des gens. Il y a beaucoup de dessinateurs amateurs qui cherchent à faire leurs preuves, faire ça sérieusement, utiliser les plateformes de participation, de financement participatif. C'est toujours très très bien pour monter un dossier. Comme ça, il permettra au dessinateur d'être payé pour ce qu'il fait. Il faut jamais penser que le dessinateur se fera un nom grâce à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette partie-là, ils peuvent rogner là-dessus en se disant « tu verras, ça sera bien, si ça marche ». Le « si ça marche n'est pas quelque chose qui va lui permettre de trouver des dessinateurs de qualité. Il vaut mieux se donner beaucoup de moyens pour essayer de financer un dossier, de payer un bon dessinateur, et il aura beaucoup plus de chances de pouvoir l'adapter à ce moment-là. C'est un message de Philippe Briones, qui t'est adressé, et qui dit « Merci Paul pour avoir pensé à moi quand DC a eu besoin d'artistes. New Suicide Squad et moi-même te saluons bien bas. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est pour ça que tu mérites d'autant plus ma gratitude. Rendez-vous pour un bon resto à New York en juin prochain, bise. » Qu'est-ce que tu as à lui dire? Phil, c'est quelqu'un c'est un artiste que j'adore, premièrement. Et c'est une magnifique rencontre, c'est vraiment devenu un ami très proche, que j'aime beaucoup, mais il n'a pas à m'en remercier par rapport à DC, parce que c'est l'artiste à qui j'ai rendu service. Il mérite très largement, j'ai juste eu besoin de dire, vous savez, il y a cet artiste-là, montrer son travail, et ils ont tout de suite été intéressés. À ce stade-là, c'est même pas un service. Et eux m'ont remercié aussi chez DC, donc... C'est un double plaisir pour moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et puis, alors, New York, évidemment. Ouais, en effet, on va aller ensemble à un festival à New York en juin. Et je me réjouis d'avance qu'on va pouvoir bien traîner ensemble dans les rues de New York. Voilà. Bon appétit. Et puis, on te remercie. Et puis, on te reverra bientôt, de toute façon. Allez.